quelqu'un me dit amen. Voilà, maintenant, veuillez vous asseoir pendant quelques instants dans sa présence. Parce que je sais que tout à l'heure, tu vas encore te lever certainement dans sa magnifique présence. Quelqu'un me dit amen. Bienvenue à un pas de centre chrétien. Bienvenue dans cette église protestante évangélique. Bienvenue dans sa magnifique présence. Dans sa présence, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie. Pendant des années, nous étions privés de sa présence. Nous ne connaissions pas Dieu. Mais quand nous l'avons trouvé, quand nos cœurs l'ont trouvé, tout ce que nous voulons, c'est l'honorer. Tu ne trouves pas qu'il fait un peu différent de dimanche précédent, non? Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu quand tu es arrivé là? Tu as vu, tu es arrivé dans une fraîcheur. Ceux qui sont là-haut, il y a des bus là. D'habitude, on sort rien. D'habitude, tu es en train de faire ça. Là, tu ne fais plus ça. Dis gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Je n'ai pas entendu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a permis enfin d'avoir la climatisation. Ce n'est pas tout, juste une partie marche pour l'instant, mais c'est suffisant pour nous rafraîchir un peu ce matin. Tu n'as pas vu les chants danser, ils ne transpiraient pas, tu vois, non? Donc, gloire à Dieu, c'est... Voilà, Dieu est un Dieu qui est bon, il est miséricordieux. Tout ce que Dieu nous donne, il donne par sa grâce. Nous n'avons aucun mérite, tout n'est que pure grâce. Le jour où tu dis « je mérite », ce n'est plus la grâce de Dieu. Dis « amen ». Donc nous sommes reconnus. Est-ce que tu peux rendre grâce? Tu peux acclamer Dieu? Non, reste assis, mais acclame Dieu. Non, tu peux rester assis, mais l'acclamer. Si tu veux te lever, tu te lèves, pas de problème, mais voilà. Amen. Je voudrais... Par rapport à la dédicace, je confirme effectivement que nous avons donc notre séminaire de dédicace le 8, le 9 et le 10. Mais je suis obligé de commencer par... Attendez. Oui, nous aurons... la sœur Sergine l'a dit, mais elle a commencé par le pasteur Cambry. Non, on commence d'abord par le père, par le pasteur des églises Impact Centre Chrétien, le pasteur Ivan Castano. Et c'est lui qui est le pasteur principal des églises, dit amen. Et non, ce n'est pas une faute, il n'y a pas de problème, mais je voudrais quand même... faut rendre à César ce qui appartient à César. Amen. Faut rendre l'honneur à qui mérite l'honneur. Voilà, c'est... Le PP, notre PP national, le pasteur Ivan sera là. Ça ne sera pas moi, ça sera lui. Ce n'est pas moi le pasteur principal des églises, c'est lui. Moi, je suis le cofondateur. Cofondateur, ça veut dire le numéro 2. Et j'aime ma place de numéro 2. Je ne veux pas prendre la place que tu ne m'as pas donnée. Quelqu'un dit amen. Elle dit amen. Donc, nous aurons des... Oh là là, cette image, elle est vraiment nulle. Hein? Oh, miséricorde, miséricorde. Bon, vous ne voyez pas ma tête, oubliez-moi. Voilà, le pasteur Karambrix sera là, le pasteur Mohamed Sanogo sera là, le pasteur Eric sera là. Le pasteur Eric, c'est le pasteur de l'ancien pasteur de la chapelle des vainqueurs au niveau du Congo-Brazzaville. Le pasteur Eric, c'est vraiment un frère, un ami. C'est lui qui est venu ici pendant 4 ans, 8 ans, je ne sais même plus. Il a servi Dieu à la chapelle des vainqueurs et il est resté un très bon ami. Il a tenu à venir nous honorer. Nous aurons plus de 40 à 50 pasteurs qui viendront pour la circonstance. Donc, nous devons être prêts à les accueillir. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, donc ça c'est pour le séminaire de dédicace. Et le dimanche soir, nous allons finir. Je ne dis pas un concert, non, parce que parfois concert, ça fait comme si les gens venaient pour qu'on les amuse, pour qu'on les égaye, pour qu'on les rende joyeux, pour qu'on les fasse danser. C'est ça un peu quand on parle de concert. Nous, le dimanche, nous n'aurons pas un concert, mais nous aurons un moment d'adoration dans sa magnifique présence. Nous aurons un moment d'adoration de 16h jusqu'à 19h ou un peu plus. Nous allons nous tenir ici pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour louer Dieu. Et nous aurons notre chorale bien-aimée naturellement. Nous aurons le groupe Sion, nous aurons notre sœur Dena Moana, nous aurons aussi notre frère Lord Lombo, et puis là pour cette fois, moi-même je serai là aussi. Ah oui. Ah non. Le pasteur Yves n'est pas un chantre. Non. Je ne suis pas un chantre. Mais moi je suis un adorateur. Est-ce qu'il y a des adorateurs comme moi qui seront là le dimanche soir? J'ai compris que tout ce n'est pas d'être un chantre, mais c'est d'être un adorateur. Quand tu es un adorateur, il te donnera la voix qu'il faut pour l'adorer. Donc toi qui chantais comme les cocoron cocoron casserole, là tu vas apprendre à chanter comme un véritable adorateur. Ah, si c'est à toi que je parle, dis amen pour ta propre vie. Ah. Le pasteur Anissé que vous voyez là, hier il chantait comme une casserole.
Mais depuis quelques mois, vous avez vu comment le pays a changé de style. Ah, c'est la grâce qui est sur l'église, on dit Amen. Si le pasteur Anissé a pu commencer à chanter, honorer Dieu, mon ami, même toi si tu peux. Lui, il n'y avait pas d'espoir, mais Dieu l'a rendu capable. Par son Saint-Esprit, il te rendra capable aussi. La qualité de ton Amen déterminera la grâce qui viendra sur toi pour adorer Dieu. Une autre information, une autre bonne nouvelle, c'est que le 17 mars, dis avec moi 17 mars. Je n'ai pas entendu, dis le 17 mars. Le 17 mars, nous commencerons notre deuxième service. Le deuxième culte commencera le 17 mars. Il y a beaucoup de nos frères qui soupirent. Non, Dieu a dit qu'il a un peuple nombreux à envoyer au palais de gloire. Et quand tu vas recevoir du monde, tu dois faire de l'espace. Dis Amen. Voilà, on donnera les flyers plus tard, mais on commencera le premier culte à 8 heures. Je sais qu'il y en a, beaucoup, il y en a déjà beaucoup là qui sont disqualifiés, surtout ceux qui sont là-haut, je sais déjà. Vous êtes déjà dit, ne souriez pas, ne pleurez pas non plus, on est ensemble. Et le deuxième culte sera à 10h30. Donc je sais que 10h30, là tu as dit Amen parce que tu viendras à 10h30. Mais on est ensemble, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu ton gloire à Dieu. Alors maintenant, j'ai une très bonne nouvelle qui est un merveilleux sujet d'action de grâce à Dieu. Hier matin au palais de gloire, ça a été un événement de gloire. Tous les gens qui étaient connectés, qui étaient présents, m'ont dit qu'on pouvait sentir quelque chose. La présence de Dieu était dans la pièce. Mais nous, on sait que Dieu a dit qu'il allait intensifier sa présence, intensifier sa gloire. Et hier, nous étions ici de 11h à 13h, un peu plus de 13h, dans le palais de gloire pour notre cérémonie spéciale de désignation des assistants pasteurs et de ordination des pasteurs de la famille Impact Centre Chrétien Brazzaville. Et pour l'occasion d'hier, nous avions reçu notre frère, le pasteur Ghislain Biabab Tantou de Impact Centre Chrétien Panois, qui est pasteur associé de ICC. Il était là hier, il est reparti hier soir, et nous avons aussi reçu hier la visite de notre frère, le pasteur Mira Fakboroun, un vrai nom béninois. Pasteur Mira, mets-toi debout, monsieur pasteur Fakboroun, pasteur associé des églises ICC. Il nous vient de Paris, il vient du campus central. Voilà, faut sourire mon type. Frère, faut sourire, assieds-toi seulement, faut sourire. Il est heureux d'être là à Brazzaville. Il a dit Amen. Hein. Il est content d'être. Mon gars, faut dire Amen. Non, dis Amen, on ne t'entend pas. Ah, voilà, vous avez entendu son Amen là. Bon, voilà. Donc, hier, ça a été un moment vraiment magnifique et nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Pourquoi nous rendons grâce à Dieu? Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Une famille qui grandit, Dieu établit des serviteurs. Et il avait dit qu'il allait donner pas des bergers, mais des bergers selon son cœur. Pas des serviteurs, mais des serviteurs selon son cœur. Personne n'est parfait. Mais à ICC Brazzaville et à ICC en général, par sa grâce, nous cherchons à plaire à Dieu. Nous voulons honorer Dieu, nous voulons glorifier Jésus. Nous avons des challenges, c'est vrai. Nous avons des manquements, des défauts, c'est vrai. Mais une seule, Dieu connaît nos cœurs, comme dit Paul. Et il sait que nous sommes nés pour l'honorer. Nous sommes nés pour réjouir son cœur. Je ne cherche pas à vous plaire, jamais. Je cherche juste à faire le travail qu'il m'a appelé à faire. Je cherche à plaire à Dieu. Et Dieu a suscité, Dieu a élevé hier encore, par sa grâce. C'est lui qui nous a demandé de faire cette cérémonie d'ordination. C'est lui qui a choisi les assistants pasteurs et les pasteurs. Les assistants pasteurs ont été reconnus et établis, désignés par Dieu lui-même. Il nous a utilisés pour le faire et nous sommes reconnaissants. Quelqu'un dit Amen. Alors, je ne vais pas refaire la cérémonie d'hier, mais permettez-moi quand même, puisque ce sont nos responsables que Dieu a établis dans notre famille, dis avec moi, notre famille spirituelle. Donc il est temps que le peuple, parce que tout le monde n'était pas là, mais il est important que le peuple sache les responsables, les assistants pasteurs que Dieu a établis dans sa famille. Ils assistent le pasteur dans toutes les responsabilités, les charges, le couple pastoral, ils sont assistés par les assistants pasteurs et les pasteurs que Dieu a établis dans sa famille spirituelle. Dis Amen. Et pendant la cérémonie d'hier, nous avons tenu à rendre grâce à Dieu pour nos deux magnifique et excellente assistante pasteur, nos deux sœurs bien-aimées qui ont, attendez, parce que ce sont des femmes qui ont servi Dieu et qui servent toujours Dieu avec un cœur d'amour et de consécration, de passion. Et hier, je ne l'ai pas fait, c'est maman Abby, pasteur Abby qui l'a fait avec le pasteur Ghislain, mais je dois honorer ces femmes d'exception, ces femmes de qualité, ces femmes merveilleuses que sont AP Mamie et AP Essima. Elles sont où mes deux sœurs là?
Voilà. Non, non. Bon, vous les connaissez déjà naturellement. Et maintenant, en plus d'assistant pasteur Mami et assistant pasteur Estima, qui occupent un rôle stratégique parce qu'elles s'occupent du secrétariat général de l'Église. Dis Amen. Donc, en réalité, elles sont appelées, c'est vrai, mais elles ont un peu comme rang de pasteur. Elles ne sont pas encore pasteurs, mais elles ont comme rang de pasteur parce qu'elles s'occupent vraiment de la gestion de l'administration de l'Église. C'est un grand travail au-delà, naturellement. Quelqu'un dit Amen. Mais hier, Dieu a tenu à élever, à distinguer, à établir lui-même d'autres nouveaux assistants pasteurs dans sa famille, Impact Centre Chrétien Brazzaville. Donc, famille ICC, je demande à tous les assistants pasteurs, mettez-vous là derrière moi, juste quelques secondes que l'on vous voit. Montez rapidement, que l'on voit, puis vous redescendrez juste pendant quelques instants. Le peuple doit voir les personnes que Dieu a établies comme assistant pasteur de la famille. Alors là, l'assistant pasteur Hervé, assistant pasteur Cédric, Francky, Claude d'Impact Junior, Rennes, Lilan, notre jeune frère, assistant pasteur Enoch de Wesso, Tony, Hermano, Stani, AP Benjamin, AP Anna et l'assistant pasteur Guidala qui s'occupe de la famille ICC de Bétou. Quelqu'un dit Amen. Ah oui, parce que ICC est à Bétou, hein. ICC est au nord dans plusieurs villages. Et c'est le frère Guidala qui s'occupe de cette magnifique famille. Et notre frère Enoch a été appelé par Dieu pour servir Dieu à Wesso, pour ouvrir la famille de ICC Wesso. Il est établi assistant pasteur. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu pour son serviteur, jeune serviteur, mais appelé de Dieu? Oh, quelqu'un dit Amen. Ce sont les dons que Dieu nous a fait dans la famille ICC Brazzaville. Dieu les a choisis, Dieu les a établis et nous sommes reconnaissants. On a prié pour eux. Ils seront loyaux, ils seront fidèles dans le service dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut rendre des actions de grâce à Dieu pour nos assistants pasteurs? Gloire à Dieu. Dieu les a bénis, Dieu les a oints et ils ont notre approbation pour faire ce à quoi ils ont été appelés. Assistants pasteurs, circulez. Je vous remercie. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez comment ils sont tout beaux? Oh, dis Amen. Oh. Et hier aussi, pendant la même cérémonie, Dieu a établi, il a ordonné des pasteurs, dis avec moi des pasteurs, des bergers. Des bergers. On peut devenir assistant, on est assistant pasteur. Un assistant pasteur n'est pas obligé d'avoir un appel de pasteur. Pasteur ou berger, c'est un appel. C'est une vocation que Dieu lui-même t'a donnée. On ne dit pas, je veux devenir pasteur. Non, c'est Dieu qui doit te dire, je t'appelle à être pasteur. Les églises ont des problèmes parce que beaucoup d'aventuriers ont dit, je veux devenir pasteur. Et à Goma qui, pasteur? Et après, il s'est changé en mercenaire, en assassin, en voleur, en bandit, en escroc. Parce que lui-même, il a dit, je vais devenir. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui dis, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai appelé. On dit Amen. Donc on peut être pasteur, on peut être appelé sans jamais devenir pasteur. Parce que pasteur, c'est vraiment un appel. Ça veut dire que Dieu t'appelle à paître un troupeau, à paître une famille. Il y a parmi eux ceux qui sont des prophètes. Mais tous les prophètes ne sont pas des pasteurs. Il y a parmi eux des évangélistes, des enseignants, des vrais gens qui ont reçu le ministère d'enseignants, de docteurs. Mais tous les docteurs ne sont pas forcément des pasteurs, donc des bergers d'un troupeau. Alors Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, a donné à la famille, ce sont des dons que Dieu donne à sa famille, à son peuple. Ce sont des dons, dit, ce sont des dons. Et quand Dieu te fait un don, il faut savoir l'apprécier. Sinon tu peux le perdre, mais nous ne les prêterons pas à ICC parce que ce sont des dons de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Un pasteur n'est pas au-dessus d'un assistant pasteur en tant que tel, non. C'est juste qu'il a un appel spécifique de la part de Dieu. Ne sois pas surpris si Dieu dit demain, je t'appelle toi pasteur à aller prendre tel campus, telle famille, telle église, ou à coordonner un ensemble d'églises. C'est Dieu, c'est un appel particulier. Quelqu'un me dit Amen si tu me suis. Donc Dieu a établi hier des pasteurs dans sa famille, 5 personnes qui ont été reconnues, établies par nous, mais sous inspiration, sous recommandation du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout de dire je suis pasteur, quelqu'un doit t'établir. Même si Dieu t'a appelé là, quelqu'un doit te faire rentrer. Quelqu'un doit reconnaître que c'est vraiment l'appel que tu as reçu de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait hier. Quelqu'un me dit Amen.
Ceux qui n'étaient pas là ont raté quelque chose. Quoi. Vraiment, vous avez raté. Ceux qui étaient là ont vu la gloire et ils étaient heureux. Donc, ceux qui répondent là, c'est ceux qui étaient là. Si vous étiez là, faites-moi du bruit, dites amen. Oui, je sais, il y en a qui disent, mais je n'étais pas là. Maman, c'est pas grave. Alors, je vais appeler tous les frères bien-aimés qui ont été ordonnés pasteurs assistants de la famille Impact Centre Chrétien de Brazzaville. Ils servent ici les intérêts du royaume. Mettez-vous debout, j'appelle le pasteur assistant Cruz, pasteur assistant Josh, pasteur assistant Alfred, Gloire et pasteur assistant Marc Sakala. Venez devant, s'il vous plaît, rapidement. Que le peuple... Mon ami, il faut apprendre à célébrer Dieu pour les temps. Il faut apprendre à bénir, à apprécier ce que Dieu fait dans sa famille. Dieu est bon. Il établit des hommes. Il établit. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont appelés de Dieu. Maintenant, donnez amen pour eux. Ton amen veut dire que tu es reconnaissant. Voilà. Les frères sont reconnus comme étant des pasteurs assistants dans la famille Impact Centre Chrétien. Nous rendons gloire à Dieu, nous avons prié pour eux. Dieu les a ordonnés pasteurs dans cette famille. Donc ne venez pas fatiguer le pasteur Yves, je dois te voir. Non, il n'est pas seul, il y a des AP, il y a des pasteurs. Là je suis en train de faire un plaidoyer en ma faveur. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Les amis, veuillez vous asseoir sous les acclamations pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous acclamons Dieu. Quand nous acclamons, nous sommes en train de dire à Dieu bravo pour ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu as compris? N'oublie pas que quand on acclame Dieu, on est en train de dire à Dieu bravo, bravo, Saint-Esprit, bravo pour les œuvres que tu as accomplies. Magnifique Saint-Esprit, gloire à Dieu. Donc ils sont tous établis comme étant des pasteurs assistants. Dans les églises ICC, il y a les assistants pasteurs, il y a les pasteurs assistants, il y a les pasteurs confirmés et il y a les pasteurs associés. Les pasteurs confirmés sont peu nombreux. Les pasteurs confirmés sont les pasteurs qui ont été pasteurs assistants. Ils ont fait leurs preuves pendant des années comme étant pasteurs assistants. Et ils ont tellement fait leurs preuves, ils ont fait preuve d'intégrité, bon témoignage, ils ont gardé la sainte doctrine, ils ont été intègres, ils ont été humbles, ou du moins ils marchent le chemin de l'humilité, ils ont été un modèle et un exemple pour beaucoup. Et quand on voit que quelqu'un, il y en a qui peuvent rester PA assistant, entre parenthèses, le pasteur Ivan, pasteur principal, a dit que dans les églises ICC, il n'y a pas de deux PA, il n'y a qu'un seul PA. Donc, pasteur, attendez, donc n'appelez pas PA, non. Pasteur assistant, on vous appelle pasteur. On ne vous dit pas pasteur assistant Marc, non. On dit pasteur, dis amen. Maintenant, tu peux dire PM, comme vous dites pasteur Marc, comme premier ministre, mais bon, ça peut créer des problèmes, tu vois, non. On peut même le mettre en prison. Tu t'appelles comment? PM. Eh, non. Appelez-le seulement pasteur. Mais il y a un seul qui est PA dans toutes les églises. C'est notre PA national. C'est notre PA local. Non, attendez d'abord. Donc, Dieu, hier, attendez, asseyez-vous. Mais vous menez, asseyez-vous. Donc, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, est-ce que je peux parler? Mais est-ce que le pasteur peut parler? Silence! Vous êtes des indisciplinés ou quoi? Donc, hier, yeah. Non, attendez. Dis amen. Comme tu es déjà debout, reste seulement debout. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de pasteurs confirmés à Impact. Il n'y en a pas beaucoup. Non, ils sont peut-être 5 ou je ne sais même pas combien réellement il y a de pasteurs confirmés dans la famille des églises ICC. Mais le pasteur Ivan, le pasteur Yves et l'ensemble du conseil pastoral des églises Impact Centre Chrétien a décidé de reconnaître la grâce spéciale du Seigneur sur son serviteur, notre PA national. Donc hier, Dieu a établi son serviteur, le pasteur Alice, comme étant pasteur confirmé des églises. Pasteur Alice, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour son serviteur? Le pasteur Alice a été établi par Dieu lui-même. Quelqu'un dit amen.
Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le pasteur Anissé, apparemment. Nous apprécions l'œuvre de Dieu dans sa vie. Nous sommes... Le pasteur Anissé est un don. Ouais, c'est un don. Pour le pasteur Yves, pour le pasteur Abby, c'est un don. Et pour l'ensemble de la famille spirituelle, c'est un don. C'est ça que vous voyez, je le protège toujours parce que c'est un don. Lui-même, il appelle le premier des ouvriers. Parce que le pasteur Anissé était moi dès la première heure. C'était le plus insignifiant de tous. Sa vie est un exemple de ce que ce qui est important, ce n'est pas hier. Ce qui est important, c'est demain. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Parce que les hommes disent à ton sujet. Le pasteur Anissé est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, je l'ai dit, je le redis encore, je vous le dis, Dieu m'a enseigné l'humilité, pas dans les livres, pas dans les prédications. J'ai lu les livres, j'ai écouté les prédications sur l'humilité. J'ai aspiré à être humble, mais il m'a donné un modèle, c'est ce monsieur qui est là. Et moi, je suis reconnaissant. Et moi, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Est-ce que tu es reconnaissant comme moi? Oh! Vous devez savoir que quand on est en train d'acclamer, il est en train de souffrir. Il doit souffrir, c'est bien. Il faut souffrir, frère. Voilà. Juste pour terminer, vous devez savoir que quand je demande d'acclamer, ce n'est pas lui qu'on acclame, jamais. Mais nous acclamons Dieu pour les œuvres, pour la présence, pour le travail qu'il fait dans sa vie. Est-ce que tu as compris? Dis amen. Donc voilà, sachez donc que Dieu a établi notre frère, le PA. Oh, on va toujours l'appeler PA, il n'y a pas de problème. On n'appelle aucun autre dans les églises ICC né le PA. Le PA, il n'y a que le pasteur Anissé. C'est le pasteur Yvan qui l'a dit. Si vous allez à Paris, à Bruxelles, vous allez en Martinique, en Guadeloupe, vous allez à Lomé, on va vous dire le PA. Ah, il n'y a que le pasteur Anissé qui est au Congo là-bas. Voilà. Pouvons-nous acclamer Dieu pour les œuvres qu'il a fait, pour sa grâce et sa bonté dans le nom de Jésus-Christ. Il n'attendait que cela. Voilà. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Pouvons-nous, ensemble, avant de nous asseoir, juste élever la voix pour les dons, pour les grâces qu'il a accordées à sa famille. Et ces grâces sont intensifiées cette année. Cette année, c'est vraiment notre année d'accroissement et d'expansion par l'Esprit. Toi, tu vas juste dire à Dieu merci pour les dons qu'il a donnés à son corps. Dieu a besoin des bergers, mais des bergers selon son cœur, qui partagent son cœur, ses intérêts. Il les élève dans sa famille. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et en même temps, nous devons prier pour eux, que Dieu leur fasse grâce. Il y en a qui disent félicitations, mais moi j'ai envie de dire bon courage. Parce que c'est un travail qui est complexe. Alors pouvons-nous élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il a fait à la famille? Nous sommes une famille, nous sommes un seul peuple. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Juste quelques secondes pour dire, Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces dons, merci pour les grâces, merci pour ce que tu es en train de faire dans ton église. Merci pour l'œuvre que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous. Nous apprécions tes œuvres, Père, et nous célébrons ton nom. Merci, merci infiniment. Tu avais dit à Israël, je vous susciterai, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Seigneur, merci. Tu accordes aux assistants pasteurs, tu accordes aux pasteurs, la grâce, Seigneur, la grâce d'être des vrais bergers, des modèles de bergers, des modèles d'intégrité, des modèles de foi, des modèles de consécration, des modèles de sainteté, des modèles de pureté, des modèles de sagesse, d'intelligence, de discernement, de connaissance. Seigneur, ce n'est pas nous que nous voulons élever, mais c'est Jésus que nous voulons élever en priant ainsi, afin que la grâce du Seigneur Jésus abonde dans la vie de ses serviteurs. Afin que ces serviteurs que tu as établis accomplissent vraiment le dessein pour lequel tu les as établis dans le service. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons gloire. À toi la gloire, Dieu notre Père, Jésus notre Seigneur. À toi nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons rendu grâce. Si tu as rendu grâce, dis amen. Si tu as rendu grâce, dis amen. Je vais libérer les pasteurs qui doivent partir faire la coordination et nous allons prendre le temps de rentrer quelques instants dans la parole de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Prends 30 secondes juste pour prier que Dieu te parle ce matin, qu'il envoie sa parole et qu'il te parle par sa parole ce matin. Cette parole qui sorte, une seule parole de Dieu peut transformer le destin, la vie, les circonstances d'un homme. Dis à Dieu de te parler ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin.
envoie ta parole, endommage notre ignorance, lance ta parole comme un javelot dans nos cœurs. Qu'elle ne déchire pas nos vêtements, non, mais qu'elle change nos cœurs. Nous voulons être transformés, nous voulons être changés, nous voulons plaire à Dieu. Accorde-nous la grâce, ô Père, dans le nom de Jésus, d'être des vases d'honneur qui portent la gloire de Dieu. Dans un monde perdu et désespéré, accorde-nous la grâce d'être des lumières qui brillent, qui resplendissent, qui illuminent notre pays, qui illuminent notre continent, qui illuminent le monde, car tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Accorde-nous la grâce de briller par la révélation de ta parole, qui nous illumine et qui nous éclaire. Nous aimons ta parole, nous chérissons ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est notre fondation. Ta parole est tout parce que tu es toi-même, ô Dieu, la parole. Toutes les fois que tu veux faire quelque chose dans la vie d'un homme, tu envoies d'abord ta parole. Envoie ta parole ce matin. D'avance pour tout ce que tu es. Oh oui, Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ. S'il y a quelqu'un qui aime Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, dit Amen. Tu sais, quand je dis s'il y a quelqu'un qui aime le Père, le Fils et l'Esprit, quand je dis Amen, c'est-à-dire réponds-lui toi-même. Réponds-lui toi-même. S'il y a quelqu'un qui aime le Dieu trois fois saint, le Dieu unique et véritable, révélé comme étant le Père, le Fils et l'Esprit, pour une dernière fois, donne un Amen en son honneur. Et vous asseoir dans sa magnifique présence. Depuis le début de cette année, Dieu est en train de nous parler de comment faire pour accueillir sa présence. Il est en train de nous parler de comment faire pour honorer sa présence. Dieu le Père est présent aujourd'hui par le Saint-Esprit. Dieu le Fils, la parole, le Fils ressuscité, maintenant glorifié, Jésus de Nazareth, le Christ est présent là où nous sommes et avec nous et en nous, conformément à sa parole, par son Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Là où se trouve donc le Saint-Esprit, se trouve le Père et Jésus glorifié. C'est le mystère de la divinité, de la Trinité. Et depuis le mois de janvier, ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit que je vais, comme c'est l'année de l'accroissement et de l'expansion par moi, dit le Saint-Esprit, je vais intensifier ma gloire. Et la bonne nouvelle, quand Dieu dit qu'il va intensifier sa gloire, nous devons engager donc la force de la prière pour dire, Seigneur, intensifie ta gloire. Et depuis le mois de janvier, il a vraiment commencé à intensifier sa gloire. Nous le voyons dans toutes les réunions, dans tous les programmes de la semaine, dans les réunions du ministère, dans les réunions du matin en prière, de midi en prière. Il est en train d'intensifier sa gloire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il nous a dit de changer le format de ADG. On commence maintenant dès midi en prière, à la fin de midi en prière. On enchaîne, j'avais dit 14h, mais en fait, tu as vu, avant-hier, on a enchaîné directement dans le programme Atmosphère de gloire pour permettre à Dieu d'intensifier sa gloire. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes donc en train de voir que faut-il faire pour accueillir le Saint-Esprit ou encore pour honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il est l'Esprit de Jésus. Il est celui qui emmène la présence de Jésus, celui qui la rend visible. Quand tu dis « J'ai vu le Seigneur », tu l'as vu par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus est partout, en tout lieu, en même moment, partout. Jésus est présent partout par le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir comment faire pour honorer, accueillir le Saint-Esprit. Pour qu'il ne passe pas seulement, mais pour qu'il demeure au milieu de nous. Que sa présence, jour après jour, soit toujours intensifiée. Pour que l'on sache que dans ta vie, quand on te voit, quand on t'entend, quand on te sent, on dit « Ah, toi tu as changé. Hein. Il y a quelque chose qui a changé en toi. » Parce que sa présence te remplit tellement plus. Ses grâces sont devenues beaucoup plus manifestes. Et ça, c'est ton partage cette année 2019. Parce qu'il a dit que cette année, c'est l'année d'accroissement, donc d'intensification et d'expansion de sa présence dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur Amen. Je vois, moi-même je suis surpris de voir comment Dieu est en train d'intensifier, à faire abonder, remplir de son esprit des multitudes d'entre nous ici. Et ça se passe tous les jours. Et ça va continuer à s'accroître de gloire en gloire. Oh oui, dis-moi Amen et je continue. Et nous avons vu notre septième point, c'est que pour que
pour que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu soit honoré, soit bien accueilli, soit honoré au milieu de nous. Nous avons vu qu'il nous faut, le septième point, c'était, nous devons apprendre à servir Dieu. Dis avec moi, je dois apprendre à servir Dieu. Et on a vu que la notion de service n'a pas été bien comprise, parce que quand on parle de servir Dieu, le meilleur modèle de service nous a été révélé par Jésus dans Luc 10, versets 38 à 42, où il nous parle de Marthe et de Marie. On a vu que Jésus a aimé, prenait beaucoup de plaisir à aller dans la maison de Marie et de Marthe, parce que dans la maison de Marie et de Marthe, non seulement on servait Jésus, mais on prenait du temps avec Jésus. Elle prenait du temps avec lui. On a vu que Marthe servait Jésus dans son humanité, pendant que Marie, elle, servait Jésus dans sa divinité. Dis Amen. C'est le meilleur accueil. Le meilleur accueil qu'on peut faire à Dieu, c'est de le servir. Mais comment le servir? On le sert dans sa divinité et on le sert dans son humanité. Et nous sommes depuis deux semaines en train de voir comment on fait pour servir Dieu dans sa divinité. Et c'est en parlant de servir Dieu dans sa divinité que Dieu nous a montré l'église d'Antioche, cette église missionnaire comme ICC Brazzaville dit Amen. On a vu qu'Antioche, l'église d'Antioche avait compris dans Actes 13, il est écrit au verset 2, et pendant qu'il servait le Seigneur, et il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, ou Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au verset 3, il est dit, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Mais la première partie, c'est d'abord, ils servaient le Seigneur. Ces cinq serviteurs de Dieu, docteurs et prophètes, s'étaient assemblés pendant quelques jours pour servir Dieu, pour rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Servir Dieu, là on voit qu'ils servaient Dieu dans sa divinité. Servir Dieu dans sa divinité correspond à quoi? Correspond simplement à faire ce qui se fait dans le ciel en permanence. Servir Dieu dans sa divinité, c'est se tenir dans sa présence pour lui donner ce que Dieu attend toujours, ce que Dieu existe toujours, l'adoration. L'adoration. Pour lui offrir l'adoration. On a vu la semaine dernière que tout autour du trône, constamment on offre à Dieu de l'adoration, de l'appréciation, de l'action de grâce. Ne passe pas autant que possible, ne passe pas une journée sans avoir pris le temps d'offrir à Dieu l'adoration, l'appréciation. Ne viens pas juste pour dire, oh ça va pas, ça va pas, non. Ne viens pas juste pour dire, au nom de Jésus, oui, ça c'est prier. Quand on est en train de prier, on est en train aussi de servir Dieu dans sa divinité. On sert Dieu dans sa divinité aussi par la prière, faite en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications, faites-le par l'Esprit. En le faisant, on sert Dieu dans sa divinité. Quelqu'un dit Amen. Mais dans le service qu'on rend à Dieu, n'oublie pas, il y a les prières, puis il y a le temps où on prend le temps de ne pas vraiment prier, si ce n'est prier selon les sujets qu'il nous donne, mais on prend le temps de l'honorer, de l'apprécier, de le célébrer, de le louer. C'est-à-dire, tu viens, tu ne demandes à Dieu rien d'autre que Dieu. Tu ne demandes rien d'autre que lui. Et tu viens pour le contempler. Et tu viens pour l'honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu cherche, Jean 4, des adorateurs. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et dans la vérité. Pas dans l'erreur, pas devant les idoles, pas devant les statues, pas devant les images. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Il ne faut pas ça pour adorer Dieu. Non, on ne se met pas devant une image pour dire, oh Jésus, tu es là, je t'adore. Non, Dieu est esprit. On ne le représente pas, on ne le voit pas. Non, on ne le fabrique pas, on ne le sculpte pas. À qui ressemble Dieu? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il a les yeux bleus, verts? Non, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le premier péché que Dieu déteste. Il a dit, fuyez l'idolâtrie. Faut fuir l'idolâtrie. Ça semble beau, c'est des beaux dessins, c'est des belles femmes avec des... Ça ne veut rien dire, c'est de l'idolâtrie. Dieu est un être spirituel. As-tu déjà vu Dieu? Non. Mais il te dit, Dieu ne se représente pas.
Exode 20. Par contre, il dit, Dieu est esprit. Si tu l'adores, adore-le dans la vérité et adore-le par ton esprit. C'est-à-dire avec tout ton cœur. Dieu a toujours cherché des hommes sur la terre qu'il aime. Et les hommes ont toujours cherché la main de Dieu et non pas le cœur de Dieu. Et cette année, mon frère, décide de tout ton cœur, par sa grâce et l'aide du Saint-Esprit, de devenir le genre de personne que Dieu lui-même est en train de chercher. Il cherche quoi? Des gens comme les David. David ne demandait pas à Dieu, Pesanga, mariage, donne-moi des enfants, donne-moi le mari, donne-moi le travail. Non! Il dit, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Au point du jour, je te cherche. Mon âme a soif, psaume 63, verset 2. Mon âme a soif de toi. Mon esprit, mon corps même est en train de jeûner parce que je te cherche. Je t'ai cherché dans le sanctuaire. Je suis venu au palais de gloire. Pourquoi? Pour voir ta gloire, donc ta glorieuse présence et ta puissance. La puissance de Dieu se manifeste là où la présence de Dieu est honorée. Je ne cherche pas ta main, j'insiste, je cherche ton cœur. Je veux connaître Dieu. Pas le pasteur, Dieu. Pas les hommes de Dieu, le Dieu des hommes là, c'est lui que moi je cherche. C'est lui, il nous a dit depuis des semaines, ne cherchez pas les choses, cherchez la source de toutes choses. On l'appelle Dieu. Et quand tu as trouvé la source, alors toutes les choses vont commencer à se manifester. Mais il faut d'abord le chercher. Et on ne le cherche pas pour obtenir aussi des choses. On le cherche juste parce qu'on l'aime. Dieu a toujours cherché et Dieu cherche toujours. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Dans une société où maintenant tout le monde cherche les hommes de Dieu, Dieu cherche des gens qu'il aime. Des gens avec qui il peut avoir une relation. Parce que n'oublie pas, il est le Père. Papa veut entretenir des rapports intimes avec ses enfants. Bonjour Père, comment ça va mon enfant? Voilà le programme de la journée. C'est une relation, c'est pas un dialogue. Éternel, oh éternel, oh, oh. On peut le faire de temps en temps, mais dans la journée, dans la semaine, il y a des moments où tu viens, tu ne demandes rien. Tout ce que tu veux, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais, on nous a tellement habitués à chercher des choses. Ce que je dis peut paraître bizarre, mais ça c'est la parole. Et ça c'est l'authenticité. Même toi, tu ne voudrais pas avoir une femme ou un mari qui te demande toujours, je veux des bijoux, je veux des chaussures, je veux des sandales, je veux des choses, je veux de l'or, je veux de l'argent. Ah, mais toi tu ne t'intéresses jamais à moi. Mais aime-moi aussi. Et puis tu dis même jamais je t'aime. Tu as déjà vu un couple où la femme dit toujours à l'homme, donne-moi, 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 donne-moi. L'homme aussi dit à la femme, bon, donne-moi le corps, donne-moi ton... Hein? Mais, donne-moi, donne-moi. Mais jamais à un moment donné, c'est, je t'aime. Tu es important pour moi. Je t'apprécie. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es magnifique. Pasteur a bien entendu ça tout le temps. Je chasse l'esprit de jalousie qui anime ton cœur. La véritable adoration, c'est ça. C'est honorer Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, je vais susciter dans cette famille des adorateurs. Des véritables adorateurs. Des gens qui vont venir à l'église, pas pour chercher quelqu'un. Quand on dit atmosphère de gloire, maintenant on commence à 14h, jusqu'à 20h. Ils vont venir s'asseoir. Tantôt ils vont se prosterner. Tantôt ils vont rester debout. Tantôt ils vont rester assis. Mais ils savent qu'ils ne sont pas là parce que quelqu'un leur a dit de venir. Ils savent qu'il y a un programme qu'on appelle atmosphère de gloire. Alors ils viennent juste pour honorer Dieu. Et quand ils viennent, ils ne savent pas toujours ce qu'ils vont dire. Alors ils viennent. Parce qu'il est écrit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Alors tu viens, je ne sais même pas ce que je veux faire. Mais je sais seulement que j'ai envie d'honorer Dieu en compagnie de mon frère et de ma soeur. Je peux le faire à la maison, mais il y a toujours une bénédiction, une grâce qui est la grâce collective lorsque plusieurs s'assemblent en son nom. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? L'adorateur, c'est le genre de personne qui vient dire à Dieu, quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté,
Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Ça, c'est le langage de l'adorateur. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Et l'adorateur dit: oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'adore. Oui, je t'adore. Parce que tu en es digne. Oh, je t'adore. Si je... Est-ce que tu veux le lui dire toi-même? C'est pour ta... Et oh, je... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lui dire? Cours, pratique ce matin. Oui. Dis-le-lui à haute voix. Là où tu es, dis-le-lui en étant assis. Ah, robotse kamane. Si je vis, Seigneur, aujourd'hui. Ah, veux-tu le lui dire encore une fois? Oh, oh, je t'adore. Oh, oui, je... Oui, 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 oui. Es-tu l'adorateur que je cherche ce matin? Si je vis, oui. Devant le trône de la grâce, je veux dire oh. Pratique. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, 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 oui. Si je vis, Seigneur, je peux le faire debout ou prosterné. Dans les salades, oh, je t'adore.
de Dieu qui cherche Dieu. C'est pour toi, si je suis, oh, oh, je t'adore. Oui, oui, c'est un pour un pratique. Oui, je t'adore. Mon papa, mon trésor, et mon Dieu, et mon roi. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi, te mettre à genoux. Si tu veux rester assis, reste assis. Ça, c'est le langage des vrais adorateurs. Mama, c'était nous sommes devant le trône de la grâce de Dieu. Nous sommes devant Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Alebraba seta rima arebaba basinda barebaba basi ora baba ya dele prokushka elabrande rebaba ya dele oria bandere aya dele broske arebande rebobo sekatarabataka. Nous t'aimons et nous t'honorons. Le Père cherche les vrais adorateurs. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Il nous a tellement aimés qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. Écoute mon frère, le Père a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. C'est son Fils unique. Le Christ a été sacrifié pour que les hommes soient sauvés. La Bible ne dit pas que Dieu t'a aimé. Dieu nous a tellement aimés et il nous aime tellement encore. Que veux-tu donner à Père?
Que veux-tu offrir à Père? Père dit, je recherche au Congo, je recherche sur la terre des vrais adorateurs. Les gens qui m'aiment, pas pour ce que je peux faire, mais pour ce que je suis. Le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu. Tu aimeras Dieu. Toujours tu aimeras Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Voilà pourquoi l'adorateur vient devant Dieu. Il dit, je ne suis pas capable d'aimer, mais je vais te demander la grâce. Parce que ça, je sais que ça te plaît. Fais-moi t'aimer. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Il t'a aimé le premier. Il t'a tant aimé. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Abba, Abba, Père, Père, je t'aime. Je veux dire à Dieu pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Abba, Papa, pour tout ce que tu fais. Tu as donné ton Fils pour moi. Tu as sacrifié Jésus pour moi. Tu as fait crucifier Jésus pour moi. Alors moi je veux te dire, aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'aimer. Je veux te dire, Père, Père, je t'aime. Il est digne d'être aimé pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Il est digne d'être adoré. Tu es en train d'offrir à Dieu ton appréciation. Adorer Dieu, c'est offrir à Dieu son amour, son attachement. C'est dire à Dieu combien on veut l'aimer, combien on veut le chérir, le célébrer. Voilà pourquoi c'est une prière, mais c'est aussi un chant. Père, je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. J'ai appris à t'aimer. J'apprends à t'aimer. Abba, Père d'amour, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Une dernière fois, Abba, Père, je t'aime. C'est un culte pratique. On apprend à offrir à Dieu de l'adoration. Il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, pour tout ce que tu fais. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. L'adorateur se tient devant Dieu de toutes mes forces. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Quelqu'un qui veut faire retentir ce chant en l'honneur du Père qui est assis sur le trône de gloire, à celui qui vit au siècle des siècles et à l'agneau de Dieu. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Son amour est déversé dans ce lieu pour ceux qui le cherchent. Oh. Abba, 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 Père. Est-ce que
adorateurs, des vrais adorateurs. Sans les instruments, sans les instruments. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire adieu? Abba, papa. Oh oui, il y a quelqu'un qui veut le lui dire à haute voix. Oh, encore une fois, dis-le lui de tout ton cœur. Père, nous déclare. Abba, Père, que nous t'aimons, nous déclarons notre amour profond pour toi. Nous déclarons notre amour, nous déclarons notre amour, nous déclarons notre amour profond. Pour toi, Père, nous déclarons, notre amour profond pour toi. Père d'amour, nous déclarons, nous déclarons, Père, nous déclarons de tout nos cœurs, là où nous sommes avec le niveau d'amour que nous avons, et qu'il augmente, intensifie ta présence. Nous déclarons, est un chant et en même temps une prière. Une dernière fois, papa, nous déclarons. Source en moi qui coule, qui jaillit dans mon âme vers toi, Seigneur. Il y a une source en moi ce matin. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme. Du fond du cœur, vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Encore une fois, il y a une source en moi. Il y a une source en moi. Qui jaillit dans mon âme. Qui coule à flot du cœur. Qui coule à flot du fond du cœur. Vers toi, Seigneur. Une dernière fois. Il y a une source en moi. Il y a une source en toi ce matin. Qui jaillit dans mon âme. Qui coule à flot du fond du cœur. Qui coule à flot du fond du cœur. Vers toi, Seigneur. C'est un fleuve.
dirigé vers toi, Seigneur. Dirigé vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est vers toi que nous dirigeons ce fleuve de louanges. C'est un fleuve, c'est un fleuve de louanges. Dis-le-lui, c'est un fleuve de louanges et d'adoration. Dirige vers toi, Seigneur Jésus. C'est un fleuve de louange, c'est un fleuve de louange, et d'adoration, et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur. Il cherche des vrais adorateurs, des gens qui viennent devant le trône de la grâce, pas pour dire donne-moi, mais pour s'offrir à Dieu, pour offrir à Dieu de l'amour, pour offrir à Dieu de l'appréciation. Et ça sort de ton cœur, ça sort de ton cœur et ça passe par ta bouche et tu lèves tes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. Oh, je lève mes mains pour t'adorer. Debout ou assis ou prosterné, je lève mes mains pour t'adorer. Pourquoi tu lèves tes mains? Je lève mes mains. Parce qu'il en est dit, je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Que ceux qui l'aiment ou qui ont commencé à l'aimer disent, je lève mes mains pour t'adorer. Ils cherchent des adorateurs, je lève mes mains. Dieu exige de la vraie adoration. Il recherche, est-ce qu'il trouvera en toi ce cœur d'adorateur? Est-ce qu'il trouvera en toi ce cœur d'adorateur? Est-ce qu'il trouvera en toi quelqu'un qui l'aime? Je lève mes mains. Devant le trône, c'est ce qu'on dit, toi seul. Je lève mes mains, je lève mes mains pour toi. Le psalmiste a dit, je lèverai mes reins, je lèverai mes mains en ton honneur. Je
Je lève mes mains dans le palais de gloire. Je lève mes mains dans mon salon où je suis. Je lève mes mains dans ma voiture. Je lève mes mains dans ma chambre. Je lève mes mains en marchant. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Je lève. À cette adoration. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il adore un esprit. Il adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que quand je l'adore, je l'adore en esprit et en vérité. Quand je l'adore en esprit et en vérité. Je l'adore, je l'adore en esprit, je l'adore. Le Père exige les adorateurs, le Père recherche, je l'adore. Oh,
t'adore en l'esprit et en vérité. Ô Dieu, les vrais adorateurs, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et dans la vérité. La vérité, c'est sa parole. Père, accorde-nous la grâce d'être ces âmes que tu cherches. Nous n'aurons plus à chercher les choses. Mais quand nous te cherchons, toi, nous trouverons tout. Seigneur et Père, dans le nom de Jésus le Christ, par le Saint-Esprit, nous avons pris ce temps ce matin pour t'adorer, pour te célébrer. Ce culte qui se veut pratique, nous sommes venus, conduits par toi. J'avais un message à donner, mais tu as voulu diriger les choses autrement, car je sais que tu tiens à ce que ton peuple comprenne l'importance pour toi de l'adoration. Nous pourrions comprendre 1000 choses, mais ne pas comprendre l'essentiel. Dieu cherche sur la terre des vrais adorateurs. Il cherche des âmes, des hommes qu'il aime. Pas par intérêt, mais juste pour ce qu'il est. Il cherche des plateformes, des environnements où on ne vient pas juste demander, mais on vient l'apprécier. Dieu est amour. L'amour de Dieu est la source de toutes choses. Il nous a tellement aimés. Dieu fait tout par amour. Selon sa grande miséricorde, son amour, sa bienveillance et sa bonté. C'est ça qui déverse sur nous ce matin. Si tu apprends à faire plaisir à Dieu, à honorer Dieu, à adorer, à apprécier Dieu, sans rien attendre en retour, il te donnera ce que tu n'es même pas capable de demander. Ces choses que tu ne cherches même pas, il sait que tu en as besoin. Mais il dit, offrez à Dieu de l'adoration. Devant le trône, dans le ciel, tout n'est qu'adoration. Les myriades et les myriades d'hommes et d'anges et de créatures célestes, toutes et tous adorent, offrent à Dieu de l'adoration. Ils ne font que dire à Dieu, tu es digne de recevoir louange, honneur, gloire, puissance. Et ils le disent encore. Ils offrent à Dieu de l'adoration. Puissions-nous être ce peuple de vrais adorateurs. Excellent Père de grâce et d'amour, tu as dit dans ta parole qu'à chaque début de semaine, tout être vivant viendra devant l'Éternel pour l'adorer. Seigneur, nous avons, par ta grâce et par l'assistance de ton esprit, obéis à cette parole. Seigneur, lève ta main droite et la corriba sam de l'ébrocosa. Si tu l'as fait de tout ton cœur, que les trésors du ciel, que les grâces du ciel abondantes, que les fleuves d'eau vive qui jaillissent, le ciel est ouvert actuellement. Le ciel est ouvert actuellement. Mente la bra dosea ka la bra okosaba. Le robaba si amande le robaba basi ante le bro toka le paria. Robo bo 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 sa.
accueillons le Saint-Esprit. Glora baba 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 si antelebro ko shababa. Une fraîche rosée descend du ciel maintenant. Une fraîche onction descend du ciel maintenant. Le glorieux Saint-Esprit se mouvoit maintenant. La glorieuse présence de Dieu touche maintenant. Il restaure maintenant, il guérit les blessures. Il guérit les blessures. Il guérit le rejet. Il restaure l'amour et la consécration. Il restaure la vie de prière de plusieurs. Comme tu es venu adorer Dieu cette semaine, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il t'honore, il t'accorde grâce, il t'accorde faveur, il t'accorde bénédiction. Ces choses que tu n'as pas demandées, mais comme tu es venu honorer Dieu, et pendant ce que tu as eu à cœur de l'honorer, la faveur, la protection, la préservation divine, sans ton partage cette semaine, reçois la guérison de ton corps malade à l'instant dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu te touche là où tu es maintenant. Toi qui avais une maladie au niveau du cou, tu es guéri maintenant. Toi qui avais une maladie au niveau des reins, tu es guéri maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu touche. Si tu as mal quelque part, si tu as mal de la douleur quelque part, mets ta main et je contrerai à toi. À toi, tu reçois le toucher du Saint-Esprit maintenant. J'ai dit 1, 2 et 3, mets ta main. Reçois le toucher du glorieux Saint-Esprit de Dieu. Reçois le toucher de Dieu ce matin. Le toucher de Dieu ce matin. La main du Seigneur cette semaine se lève contre tous tes adversaires. Il y a des complots qui avaient été formés contre plusieurs. Alors que nous sommes dans sa présence, le Seigneur dit que les complots sont échoués dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine, alors que nous sommes venus honorer Dieu, la grâce de Dieu se déverse. L'huile de rafraîchissement spirituel vient sur toi ce matin. Et la fatigue, l'assoupissement spirituel te quitte ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Le glorieux Saint-Esprit rafraîchit son peuple. Béni soit l'Esprit du Seigneur. Béni soit celui qui est envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Béni soit l'Esprit du Seigneur. Le magnifique, le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu notre Père. Dans le nom de Jésus le Christ, ce matin, Père, nous recevons pour cette semaine grâce sur grâce. Cette semaine, c'est une semaine de guérison, de distinction, de faveur, de déblocage. J'ai dit de déblocage, de déblocage. Des situations bloquées, déblocage. D'approvisionnement surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui reçoit ces paroles de foi et tu devras s'accomplir cette semaine, pendant cette semaine, que la grâce de Dieu soit déversée sur toi cette semaine. Si quelqu'un reçoit ces paroles, dis amen pour toi-même. Ceux qui ont des enfants malades dans les maisons, la maladie pendant que nous sommes là, elle quitte les enfants maintenant. Tout enfant malade dans ta famille, lève ta main. Même si tu n'as pas d'enfant malade, lève ta main avec les autres dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Je commande ce matin à tout enfant malade, toute maladie qui oppresse les enfants de ceux qui entendent le son de ma voix, les enfants qui sont venus dans le palais de gloire, les parents plutôt qui sont venus dans le palais de gloire, tout enfant malade ici ou à la maison, dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, qui reçoivent la guérison now, maintenant, dans le nom de Jésus le Christ. Vous témoignerez, vous rendrez gloire. Jésus guérit vos enfants maintenant, dans le nom de Jésus le Christ. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le nom du Seigneur? Jésus, notre Seigneur, il est le triomphateur. Par son sang précieux, il a triomphé de la maladie, triomphé de la mort, triomphé du tombeau,
dans le nom de Jésus le Christ. Cette semaine, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie divine. Cette semaine, il y a des gens que le monde des ténèbres avait programmé pour tuer cette semaine. Aucune âme ne mourra cette semaine. Personne ne mourra cette semaine. Personne, dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Acclamons son nom. Acclamons ses œuvres. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus notre Seigneur. Que ceux qui aiment Jésus disent Amen.